Bonjour à tous, au programme cette semaine, une question simple. Comment mettre de l'égalité dans un territoire aussi vaste que l'Autriche? C'est pourtant l'un des défis qui se posent à la région Nouvelle-Aquitaine. Et on en parle tout de suite avec mon invité. Bonjour Marie Desmolins. Bonjour. Alors, je vais vous présenter. Vous êtes la directrice de l'observation et de la prospective à la Nouvelle-Aquitaine, à la région. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes ici à l'hôtel de région à Bordeaux. Et parmi une de vos missions figure le SRADET. Alors, vous allez nous donner la définition de cet acronyme un peu barbare. Je vous laisse faire. C'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Alors, concrètement, derrière ce terme, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça revêt et surtout, quel est son but? Alors, c'est un schéma qui a été mis en place par la loi de NOTRe, Nouvelle Organisation des Territoires de la République, et qui impose aux régions de réfléchir à leur aménagement du territoire dans un horizon assez vaste. Et en l'occurrence, donc, nous imaginons le développement de la Nouvelle-Aquitaine et de ces territoires à l'horizon 2030. Donc clairement, on est dans la prospective, ce qui est aussi votre mission, donc il faut anticiper. On anticipe, on est dans la prospective et on concerte avec l'ensemble de nos partenaires dans le cadre d'un processus qui est très vaste pour aboutir à un projet commun, partagé pour la Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire qu'il faut que quand même tout le monde réussisse à se mettre d'accord. Est-ce qu'on peut dire que le SRADET, ce fameux schéma, est aussi un lieu de concertation? C'est exactement ça. Ça repose sur ce processus de concertation avec des collectivités, des institutions, des organisations professionnelles, des associations qui ont un intérêt dans les domaines qui sont traités par ce schéma. Alors, vu de l'extérieur, ça peut faire un peu peur parce qu'on parle de concertation, de collectivité. Pour le grand public, tout ça est un peu obscur. Mais concrètement, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions? Alors, on a commencé les discussions l'année dernière. On doit présenter un projet d'ici la fin de l'année, de façon à aboutir à un schéma en 2019, à la fin de l'année 2019. Quand vous parlez de schéma, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pose une carte de cette nouvelle grande région et on identifie ses forces et faiblesses, on essaie de trouver une cohérence à tout ça? On avait jusqu'à présent un certain nombre d'exercices de planification sectorielle, donc dans un certain nombre de domaines comme les transports, l'environnement, les déchets, et on doit mettre en cohérence toutes ces politiques sectorielles pour avoir un projet d'aménagement du territoire pour la nouvelle région. Alors, est-ce que, une question très simple et très concrète pour les gens qui nous regardent, on parlait de transport, la problématique des mobilités aujourd'hui, c'est quoi dans la Nouvelle-Aquitaine? Je crois qu'on parle notamment d'un billet unique. Alors ça, c'est un projet de mise en place de ce service de billet unique qui permettrait, quel que soit le mode de transport, de se déplacer avec un seul billet au niveau de la région. Il y a aussi des problématiques d'infrastructure. On vient d'ouvrir la ligne LGV entre Tours et Bordeaux au mois de juillet dernier. Et on participe à des niveaux financiers importants à la rénovation des lignes régionales. Donc concrètement, je reviens sur ce billet unique qui pourrait faciliter la vie de tout le monde. On peut avoir un billet de train qui peut nous amener aussi dans le tram ou dans un bus. C'est le principe, oui. Voilà. Et ça, ce serait pour... Vous avez une date, un horizon pour mettre ça en place? Je ne pourrais pas vous dire, mais c'est dans les cartons aujourd'hui. Donc, et ça devrait se mettre en place prochainement. C'est dans les tuyaux, alors. Voilà, bon, exactement. Passons sur ce sujet-là. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet, Marie Desmolins. On parlait en début d'émission de l'égalité. La question est simple. Quand on parle de la Nouvelle-Aquitaine, on parle toujours de Bordeaux. C'est Bordeaux le référent, le pôle. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que Bordeaux cannibalise la totalité de l'attractivité de cette région? Ou est-ce qu'on voit des pôles émerger, vous qui êtes dans ce domaine-là? On ne peut pas nier que Bordeaux occupe une place forte au sein de notre région. C'est 20% de l'emploi, 20% de la population sur la métropole de Bordeaux. Donc effectivement... 20% de l'emploi régional et sur la métropole bordelaise. Et sur la métropole de Bordeaux. Ah oui, donc ça fait un cinquième. Donc c'est important. Ouais. Néanmoins, tout ne se passe pas à Bordeaux. Une grande partie des entreprises de la région sont hors Bordeaux. Et il y a aujourd'hui des projets d'investissement importants qui trouvent une concrétisation en dehors de Bordeaux. Vous avez des exemples à nous donner? Oui, par exemple, la région a contribué et a participé aux côtés de l'entreprise 4C Power, qui est une entreprise qui fabrique des batteries intelligentes pour les transports et qui a décidé de s'implanter à côté de Poitiers avec une création de 300 emplois prévus. Il y a d'autres territoires qui peuvent aussi être actifs. On peut citer aussi la société Sophia Genetics, qui est leader dans le diagnostic médical à partir de la gestion de données et d'intelligence artificielle, qui va ouvrir son pôle de recherche à Bidart,
dans les prochains mois. Donc c'est aussi un exemple. Ça veut dire que il y a une vie, je vais caricaturer, mais il y a une vie en dehors de Bordeaux. Alors les Aquitains le savent, ceux qui sont en Charente-Maritime, en Charente, tout le monde a ses pôles d'attractivité, les entreprises fortes qui dominent dans la région. Mais est-ce qu'on peut résumer en disant que il y a un semblant d'équilibre où on est quand même sur, il y a quand même des zones défavorisées. Alors il y a des zones qui se développent plus que d'autres. On peut mentionner la zone littorale qui est extrêmement attractive et qui se développe à la fois sur le plan démographique et économique, alors que la zone est, elle, est plus, connaît plus de difficultés, avec des difficultés démographiques dans certains territoires et que certains territoires aussi qui connaissent des problématiques économiques. Donc est-ce qu'on peut dire que, souvent on oppose schématiquement les campagnes aux villes, en disant que le milieu rural est forcément plus pauvre par rapport à une concentration de richesses dans les zones urbaines. Est-ce que vous qui êtes économiste, est-ce que c'est une réalité ou tout ça mérite d'être nuancé ? Eh bien, cela mérite d'être nuancé puisque les territoires ont un certain nombre d'atouts que la région s'attache à développer avec eux pour asseoir un développement plus équilibré justement au niveau de la région. Et c'est un des objectifs du SRADET, de réduire les déséquilibres territoriaux et de diminuer l'enclavement d'un certain nombre de territoires, à la fois en développant des moyens de mobilité performants, en développant des activités économiques qui permettent d'offrir un emploi en tout point du territoire, en essayant de diminuer les déséquilibres au niveau de l'accès aux services et aux équipements. Et là, je pense en particulier à l'accès à la médecine et à la santé ou à l'accès à la formation, puisqu'il est important que, en termes d'égalité des chances, que tous les habitants de la région puissent accéder à ce type de services. Et tout ça, le SRADET a pour objectif d'améliorer l'équilibre. Est-ce que c'est pas finalement, on voit bien que la direction, ça va dans le bon sens, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie utopique? Est-ce qu'on pourra rendre un territoire plus enclavé? Ça va être difficile de le rendre aussi performant, attractif qu'un autre, s'il faut ouvrir des lignes de chemin de fer, s'il faut ouvrir des moyens de transport, ça va être compliqué, on ne construit pas une route du jour au lendemain. Ça c'est l'esprit, mais concrètement c'est possible? L'idée n'est pas d'avoir une égalité de service en tout point du territoire, parce qu'effectivement, ça peut paraître utopique, mais qu'on trouve des solutions de façon à ce que les habitants de l'ensemble du territoire puissent satisfaire leurs besoins quotidiens là où ils habitent. Alors, il y a un autre paramètre qu'il faut évoquer avec vous, Marie Desmoulins, c'est la région Aquitaine et Bordeaux en particulier ressort quasiment dans tous les classements de qualité de vie, d'attractivité, etc. On sait qu'il y a un afflux de population qui est programmé, on vient de plus en plus s'installer en Nouvelle-Aquitaine, aussi bien sur la côte qu'ailleurs pour ceux qui veulent un peu plus de tranquillité. Quelles sont justement les perspectives que vous avez sur ce point-là? Alors l'INSEE a fait des projections démographiques qui tablent sur une augmentation de la population de l'ordre de 1 million à l'horizon de 2050. Donc c'est beaucoup la région Nouvelle-Aquitaine. Justement, si on veut avoir une échelle de valeur, une progression d'un million, c'est considérable, c'est dans l'ordre des choses, ça fait partie des mouvements naturels? Non, c'est beaucoup, c'est une des régions de France où l'afflux de population va être le plus important. Aujourd'hui on est à 5 900 000 habitants, donc 1 million de plus c'est... près de 20%, c'est 18%. Est-ce que vous savez où ça va arriver, tout ça? Et de manière naturelle, cette population se situe surtout sur la zone littorale et dans les zones urbaines ou périurbaines, avec un développement de beaucoup de populations. Beaucoup de populations s'installent en zone périurbaine. Est-ce que cette perspective-là, en tout cas cette projection, dessine un déséquilibre? Alors ça dessine un déséquilibre naturel qu'il appartient à la région de corriger de façon à ce que tous les territoires ne se retrouvent pas délaissés ou abandonnés. On n'est pas ce sentiment d'abandon qui existe dans un certain nombre d'entre eux et la région doit anticiper justement comment accueillir dans les meilleures conditions cette population, à la fois en termes d'offres d'activités et d'emplois, mais aussi en préservant un capital naturel qui est important et qui caractérise notre région. Donc, par exemple, le SRADET va mettre en place un certain nombre de principes qui devraient permettre d'organiser l'accueil de ces populations dans des conditions qui correspondent à leurs besoins en termes d'habitat, de logement. Justement, ces principes, ce serait quoi? Ce serait d'avoir un habitat moins concentré, d'avoir des règles d'urbanisme? C'est justement une densification de l'urbanisation, par exemple, l'exploitation d'un certain nombre de friches, ou ce qu'on appelle les dents creuses en milieu urbain, de façon à ce qu'on limite une artificialisation des sols qui est importante et qui nuit
à la biodiversité. Ouais, quand on parle d'artificialisation des sols, c'est de la construction, pour qu'on comprenne bien. Oui, c'est de la construction, c'est de l'habitat et ce sont des activités économiques. Ouais. Alors, on parle d'afflux de population, mais il y a aussi un afflux qui est saisonnier. L'Aquitaine est une région touristique attractive, là encore. Parlez-nous un peu du tourisme, parce que vous qui êtes dans la... Je reviens toujours là-dessus, sur la prospective, sur l'économie. C'est une vraie ressource. Le tourisme est une vraie ressource pour la région. On est une des premières régions de France en termes de capacité d'accueil touristique et d'activité touristique. C'est à peu près une centaine de milliers d'emplois pour la région. Quand vous parlez de centaines de milliers d'emplois, c'est à l'année ou c'est avec des pics C'est à l'année avec des pics, évidemment, puisque c'est surtout sur la saison d'été que se fait l'activité touristique, mais également sur la saison d'hiver. Donc des problématiques de saisonnalité. Oui. Donc c'est 100 000 emplois, c'est là encore l'économiste que vous êtes, c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose sur lequel on peut encore travailler, on peut agir, développer. Oui, d'abord parce que nous ne sommes pas la seule région touristique, donc on a besoin de conforter cette tour. Il y a une vraie concurrence. Il y a une vraie concurrence. Il faut que les acteurs du tourisme continuent d'investir dans leur modernisation, dans leur investissement dans les nouvelles technologies numériques. Et puis, il faut qu'on se serve de ces capacités, notamment des capacités patrimoniales et d'environnement naturel, pour promouvoir le développement dans un certain nombre de territoires qui pourraient tirer des bénéfices de ce type d'activité. Alors, je reste sur cette ligne-là de l'économie et finalement de la société. Tout ça est lié, vous le savez. On oppose aussi, alors, au-delà du débat ville-campagne, c'est aussi pauvreté et richesse. Voilà. Est-ce que finalement on sait les zones urbaines concentrent aussi beaucoup de pauvreté? Est-ce que là aussi le SRADET ou vous sur votre mission vous travaillez sur ces questions-là? Plus il y a de monde et plus on accroît aussi des phénomènes extrêmes quoi, comme la grande pauvreté ou les grandes richesses. La région a un taux de pauvreté qui est un peu inférieur à celui de la France métropolitaine. On est à 13,6% des ménages qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est 14,7% au niveau national, donc on est plutôt un peu mieux positionné. Est-ce que ça veut dire qu'on vit mieux ici ou que... Globalement, on vit mieux ici. Néanmoins, il y a des inégalités fortes. Et il y a des quartiers des agglomérations de la région qui font partie de l'action en matière de politique de la ville où il y a des problèmes de pauvreté et de chômage. Il y a des territoires ruraux également qui souffrent de ce type de problèmes. Et la région met en place des politiques de façon à dynamiser sur le plan économique ces quartiers de la politique de la ville ou ces territoires ruraux. On parlait des territoires ruraux. Est-ce qu'il y a des diagnostics? Vous avez des exemples où on voit émerger, je parlais d'un diagnostic, où une fois qu'on met tout le monde ensemble, on arrive à tirer un fil pour se dire il y a peut-être une direction à creuser, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, et c'est le but même de la création de ce pôle intitulé DATAR, en référence à la DATAR nationale. Redonnez-nous la définition, parce qu'on est toujours sur des sigles, et encore une fois, le grand public... DATAR, c'était la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. C'est un organisme national qui avait œuvré au développement des territoires à l'échelle nationale dans les années, à partir des années après la guerre et tout au long et jusqu'à présent avec des acronymes différents. L'objectif de la création de ce pôle d'aménagement du territoire en réalité au sein de la région, c'était bien d'aller à la rencontre des territoires, de travailler avec eux à la définition des enjeux qu'ils devaient relever à partir de diagnostics sur leurs forces et leurs faiblesses et de mettre ensemble au point des stratégies et des plans d'action pour amener du développement et de l'activité dans ces territoires. Alors je voulais qu'on revienne sur un cas concret de mise en commun. On a parlé de la Vienne il y a quelques temps. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça fait partie, on faut ouvrir sur tous les territoires. Concrètement, un cas dont vous pourriez nous parler. C'est le premier territoire sur lequel nous ayons travaillé depuis la fusion au 1er janvier 2016. Donc c'est le territoire du sud Vienne, au sud de Poitiers, où un certain nombre de problématiques ont été mises en évidence dans le cadre d'un diagnostic partagé entre la région, les collectivités et les acteurs locaux, avec des problématiques de dynamisation de l'activité agricole, touristique ou industrielle de ce territoire, une problématique aussi pour envisager la baisse de la part du nucléaire et donc le développement d'énergies nouvelles qui se substitueraient à cette production nucléaire.
un territoire qui connaît un certain nombre de problématiques sociales, je venais d'en parler, donc un tissu associatif qui est particulièrement développé, qui convient de renforcer, et puis des questions de gouvernance à mettre en place pour que l'ensemble des territoires, l'ensemble des collectivités de ce territoire coopèrent mieux ensemble et mettent en place des actions partagées. Concrètement, est-ce qu'on peut dire qu'on peut trouver des cahiers des charges, établir des lignes directrices pour anticiper l'avenir ? Voilà, c'est l'objectif, territoire par territoire, de vraiment coller aux spécificités des territoires pour apporter les meilleures réponses à leurs problèmes. Alors quand on parle de cette région Nouvelle-Aquitaine, des entreprises viennent spontanément dans la discussion, on pense à l'aéronautique, on va pas tout citer, Thalès, Airbus, etc., Safran, on parle aussi d'agroalimentaire, je pense dans les Landes avec toute la filière avicole. L'économiste que vous êtes, encore une fois, est-ce que vous dites attention, il y a une dépendance, on est très marqué, très identifié, donc c'est une chance parce que c'est un pôle de référence, mais en même temps, est-ce que ça ne crée pas une faiblesse, un déséquilibre ? On a un certain nombre d'activités qui occupent une position dominante dans la région. L'agriculture, par exemple, nous sommes la première région de France et d'Europe par la production agricole, avec des productions très fortes et avec un rôle phare comme la viticulture, par exemple, mais aussi la production de céréales, de fruits et légumes ou l'élevage. L'entrée du Limousin dans la grande région a renforcé cette activité, avec des mutations qui sont en cours dans ce secteur, qui sont importantes, pas seulement au niveau régional, sur l'ensemble du pays, et à laquelle il convient de faire face. Une force également en matière de tourisme, je le disais tout à l'heure, des grands pôles industriels qui dominent l'activité, mais également des niches à haute valeur ajoutée. Je citerai par exemple la filière laser, sur laquelle la région a beaucoup travaillé depuis l'installation du laser mégajoule, avec la création de tout un écosystème de l'innovation qui va de la recherche, en passant par l'enseignement, la formation, les centres de technologie, ainsi que des réseaux d'accompagnement et de création d'entreprises qui ont été reproduits sur l'ensemble des activités et qui permettent à des acteurs économiques d'avoir des contacts et des ressources pour assurer leur développement. Alors, Marie Desmoulins, on vient de parler de donc, cette attractivité économique de ce territoire. Pourtant, il y a un fait qui demeure, c'est qu'on a aussi un taux de chômage important. Quelles sont justement là vos projections sur ce sujet-là, concrètement ? Est-ce que voilà, il y a un vrai défi sur le chômage, là aussi, comme en France d'ailleurs, hein ? Alors, je me garderai bien de faire des projections sur le taux de chômage, mais c'est un taux qui est néanmoins inférieur à la moyenne nationale, qui est en baisse aujourd'hui, mais qui reste élevé parce que dans une région attractive, il faut créer d'autant plus d'emplois pour absorber le taux de chômage que la population active augmente. Oui, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Finalement, on peut se réjouir qu'il y ait un véritable afflux de population, mais le défi, c'est de trouver du travail pour tout le monde. Parce que exactement. Si on vient juste s'installer en Nouvelle-Aquitaine parce que le cadre est joli, parce qu'il fait beau, parce que vous êtes près de la mer, ça peut être très vite insuffisant. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'avoir le miroir aux alouettes ? C'est-à-dire de descendre, de quitter une grande agglomération comme Paris, par exemple, se dire on va vivre en Nouvelle-Aquitaine, mais est-ce qu'il y a du travail pour tout le monde ? En tout cas, dire qu'il y a du travail pour tout le monde avec le taux de chômage que l'on connaît aujourd'hui serait peut-être excessif, mais en tout cas, il y a une réelle dynamique de l'emploi et la création d'emplois dans la Nouvelle-Aquitaine est supérieure à ce qu'elle est en moyenne nationale. Donc, il faut que les acteurs économiques et les pouvoirs publics se mobilisent pour améliorer encore cette situation. Oui, mais est-ce que finalement, ça va, je reviens là-dessus, cet afflux de population va peut-être rendre cette lutte contre le chômage encore plus compliquée, peut-être ici qu'ailleurs, vu que vous allez avoir beaucoup plus de gens à gérer. Là, je m'adresse à l'économiste. Est-ce qu'on voit finalement les problèmes arriver en se disant, finalement, une bonne nouvelle peut aussi engendrer des difficultés ? Un afflux de population est aussi synonyme de création d'activités, en particulier d'activités présentielles, puisque quand des nouveaux habitants arrivent, forcément, il y a des activités de commerce, de services ou de logement qui se créent. Donc, il y a un vrai dynamisme qui se crée. On peut voir le verre à moitié plein, mais on peut le regarder sous l'autre angle, sous un autre angle, en se disant que tout ça est facteur de dynamisme. Tout ça est facteur de dynamisme, et je crois que ce qui est important, c'est de créer les conditions aussi pour que des activités à haute valeur ajoutée, des activités industrielles,
se créer parce qu'elles ont un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'activité économique. Et se pose aussi le problème du logement. Alors vous en avez parlé à demi-mot sur lutter contre l'artificialisation des sols, donc préserver finalement de la biodiversité, de l'environnement. Quand on a autant de gens qui arrivent, vous qui êtes en charge de cette mission où il faut remettre de l'égalité dans ce territoire, on aborde comment la question du logement dans les grandes lignes, parce qu'il y a de la spéculation, il y a de l'emplacement, ça coûte cher. Alors le logement n'est pas une compétence de la région. Hein. La région intervient surtout sur le logement pour les étudiants ou pour les jeunes, avec le financement d'opérations importantes. Le logement est en revanche un facteur d'attractivité qui est également décisif dans la décision d'installation des familles quand elles décident de venir travailler dans la Nouvelle-Aquitaine. Et donc il y a un travail à faire avec les collectivités de façon à trouver des solutions pour qu'une offre de logement compétitive avec le minimum de mixité sociale soit offerte aux populations. Donc on sent quand même l'économiste, là je sors de votre mission propre, mais vous avez un parcours justement d'économiste, vous êtes passé par Dauphine, vous nous avez dit. Oui. Finalement, on peut voir, il y a des raisons d'être optimiste dans tout ça. Oh, je crois qu'il y a toujours des raisons d'être optimiste. Quand on regarde les atouts qu'a notre région et l'historique de son développement, je pense qu'on a toutes les raisons d'être optimiste. Il faut qu'on amplifie le mouvement déjà observé. Alors, il nous reste quelques minutes, Marie Desmoulins. Je voudrais qu'on revienne sur cette notion d'équilibre, de déséquilibre. Vous avez dit que vous avez un horizon à 2019. Il faut que vous puissiez rendre votre copie. C'est un an et demi. C'est suffisant, vu l'étendue du territoire. Vous allez avoir le temps de poser ce diagnostic à une échelle aussi vaste. C'est très court. Donc, on met en œuvre beaucoup d'énergie pour respecter cet objectif. Et si je devais résumer en trois mots, ce que constitue cet exercice, je parlerai d'audace pour faire face à la transition écologique et énergétique et au changement climatique qui nous environne. Je parlerai de solidarité pour pouvoir offrir à l'ensemble des habitants les services, les équipements qui font la qualité de leur cadre de vie et qui garantissent l'égalité des chances. Et puis je parlerai enfin de dynamisme, puisque là l'enjeu est bien de créer de l'activité et de l'emploi pour tous sur l'ensemble de la région. Donc 2019, oui, ça va aller très vite quand même pour faire tout ça. Bon, c'est un schéma. Alors qu'est-ce qu'on aura concrètement pour finir dans les mains? Vous allez présenter quoi? Des grandes orientations, des grandes lignes On va présenter des objectifs à moyen et long terme, et puis un certain nombre de règles qui devront être mises en application par les communes et les intercommunalités dans le cadre de leurs exercices de planification. Donc, est-ce qu'il y aura un caractère obligatoire? Il y a un caractère obligatoire, un caractère prescriptif, puisque les documents d'urbanisme devront prendre en compte les règles, les objectifs et être compatibles avec les règles. Et ça, tout le monde est prévenu Ah, tout le monde est prévenu, oui. Pour terminer, on n'est pas en train de faire une spécialité très française, c'est-à-dire de rajouter de la norme, encore une fois? Ben, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, par la mise en cohérence des différentes politiques qui sont concernées, justement, pour qu'il y ait une réelle valeur ajoutée sur ce schéma. Bon, en tout cas, affaire à suivre, on verra ça. Donc, d'ici un an et demi, on a encore le temps. Marie Desmoulins, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, on en sait un peu plus maintenant sur cette notion d'équilibre et de déséquilibre dans une région aussi vaste. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Point de vue. Merci.